Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire les présentations de livres que j'ai achetés il y a très peu de temps. Je suis restée dans le même décor puisque je trouvais ça sympa. Par contre, j'ai dû rajouter un parasol parce que là, franchement, trop de soleil, mais il y a un petit courant d'air frais hyper agréable. Enfin bref, voilà. Donc on va passer à la présentation de Nice Little Town Atlantique, pardon. Donc le dernier livre de Tatiana Boguema Slovova, je vais y arriver, excusez-moi. Donc je vais vous le présenter bien sûr sur Fastable, ce sera quand même plus sympa. Mais avant je voulais quand même vous en parler un petit peu. Bon, ça reste les mêmes livres que d'habitude. Donc la qualité papier est pas tip top, mais quand même on peut faire pas mal de choses dessus. C'est le papier habituel des Nice Little Town, je pense. Puisque je ne les ai jamais eus en main. C'est le premier que j'achète. Je cherchais un avec un petit peu de différence. Et donc, le voilà. Voilà. C'est, je pense, à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Bon, dans le... Oh, petite bête. À l'intérieur du livre... Il y a donc 25 coloriages, il me semble que c'est pareil que les autres. Et je l'ai payé, il me semble, dans les 5 euros, je crois, celui-ci. Donc c'est vraiment pas un très gros investissement. Et ce que j'aime dedans, c'est que bah, ça reste du Nice Little Town. Donc on voit bien que c'est encore dans cette collection. Mais malgré tout, il est totalement différent parce qu'il est sous l'océan. Et du coup, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce type de livre. Et c'est ce côté-là qui a fait que bah, j'ai craqué sur celui-ci. En plus, vu que pour le moment, il n'est pas très connu, donc il n'y a pas encore beaucoup de colos, enfin de personnes qui le connaissent. Donc il y a très peu de coloriage issu de ce livre qui passe dans les groupes, etc., Facebook. Donc ça va être l'occasion pour moi de le commencer à la tête tranquille. Parce que, bah, comme je vous ai déjà dit, moi j'aime pas colorier dans des livres qui passent partout, ou faire des coloriages qui passent partout. Parce que j'ai toujours peur de, entre guillemets, ne pas laisser aller ma créativité. Ouais, c'est un grand mot. Mais bon, on est créative, hein, sinon on ne serait pas là. Et de faire, enfin pas du copiage, mais de m'inspirer un peu trop de certains colos que j'aurais vus, pas forcément consciemment, mais voilà. Donc du coup, c'est pour ça que ce livre-là, il va falloir que je l'entame assez rapidement avant qu'il y en ait trop sur les réseaux sociaux qui passent. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo du livre en détail. Et puis, ben, je vais vous faire ici déjà de très gros bisous. On se retrouve très très vite pour les futures présentations, puisque là j'en ai quand même 6 à vous présenter. Je vais essayer de les faire très très rapidement, en espérant toujours dans le même décor, avec le même temps et tout, ce serait nickel. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous. Oh, désolé, un trop gros coup de vent et tout, valdingue. Voilà, me revoilà droite. Donc je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à très très bientôt et surtout... Prenez soin de vous. Bye bye.